looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une catastrophe. On est jeudi aujourd'hui. Je viens de... Qu'est-ce que tu veux, Marley? Qu'est-ce que tu veux? Y'a quoi en dessous? Dors, me mettre à quatre pattes. Je vais aller lui chercher sa balle. Oui, donc on est jeudi aujourd'hui. Encore une belle journée. Logiquement, le temps change pour ce week-end. Dimanche. J'espère qu'il fera beau encore samedi. On a prévu un barbecue. Donc, on verra. Je viens de sortir mon pain du four. Donc, pain normal nature. Une belle griffe. Et j'ai testé la baguette. Alors, j'ai mal fait... Oui, je vais te la donner, Marley. J'ai mal fait mes griffes. Alors, elle a bien gonflé et tout, hein. Elle a bien, voilà, j'ai fait une baguette mozza, tomate séchée. Et en fait, c'est mes griffes au-dessus. Donc du coup, elle a pas bien écarté. Mais bon, elle est plutôt jolie, quoi, en fait. Et elle a l'air d'être croustille-moelleuse. Je sais pas si vous entendez. Voilà, elle a l'air d'être bien. Je viens de raccrocher avec Kim en étant en communication. Je vais ramasser sa balle parce que t'en vas pas arrêter. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour son chien, hein? Oui, donc du coup j'étais en train de dire quoi? J'étais en communication avec Kim, on était en train de se mettre d'accord pour l'anniversaire à Stacy. Là, je vais dépendre mes linges. J'ai toujours le siège de Loulou dans la voiture, on l'a enlevé pour mettre la chaise pour Pâques. Il va falloir qu'on pense à le remettre, comme mais bon... Ouais, ouais, ça sert à rien en fait, parce que en fait, quand on le laisse tout le temps dans la voiture, mais il y a des moments où on a besoin des trois places à l'arrière, quoi, en fait. Et là, alors on le met dans le coffre, mais là on avait besoin du coffre aussi. Donc du coup, il est là, il traîne, il va falloir qu'on le range. Hop, allez, je viens de passer l'aspirateur, enfin l'aspirateur vient de se finir. Je vais attaquer la zone du jour, c'est... les pièces d'eau. Je finis d'enlever ça, puis on attaque les toilettes. Là, je vais essayer de clencher ma zone aujourd'hui, puisque demain, je voudrais me consacrer aux préparatifs de Stacy pour l'anniversaire à Stacy. Alors, on va avoir un week-end super chargé, enfin, à part dimanche où on va pouvoir se reposer. Mais demain soir, enfin, demain, c'est l'anniversaire de la sœur à Greg. Elle va avoir 35 ans et son chéri lui fait une petite soirée surprise. Donc, du coup, on n'est pas là. On risque de rentrer très tard. Je vais sûrement voir aussi s'il n'a pas besoin d'un coup de main. Je vais lui envoyer un message pour les préparatifs et tout. Sa sœur à Greg, elle va occuper son autre sœur. Donc du coup, elle pourra pas donner de coup de main. Donc voilà, je vais voir voilà. Donc du coup, demain après-midi, je risque aussi d'être prise. Et on risque de rentrer tard. Donc il faut vraiment que j'essaye de prendre un petit peu d'avance. Alors même si, je vous avoue, on va faire ça très très simple. On s'est vraiment allégé Enfin voilà, je me suis vraiment allégé le travail. Barbecue, saucisse merguez dans des baguettes avec tomate salade, oignon pour celui du style hot dog. Ça ira très très bien. Au niveau de l'apéro, je vais acheter des petits trucs et puis voilà, ça sera tout simple. Et au niveau du dessert, comme je vous ai dit, on va faire une planche de cochonnerie. On mettra des petits fruits quand même. mais voilà, je sais que ça va plaire aux enfants. Angel, à Angel, à Stacy surtout parce qu'elle est pas du tout gâteau au chocolat, elle aime pas. En fait, ce qu'elle aime bien comme gâteau, c'est les styles, les flans ou les gâteaux nature, comme elle me dit tout le temps. Mais dès qu'il y a de la crème, en fait, elle est pas trop pâtisserie, Stacy. Si, elle va aimer les gaufres, elle va aimer les churros, elle va aimer, vous voyez, tous les petites gourmandises comme ça, mais pas les grosses pâtisseries, c'est pas trop son truc, quoi, en fait. Si, le Palanova, pas le Palvlova,
chaque fois je le dis mal, Pavlova, si ça l'aime bien ça aussi, mais voilà, donc je me suis dit on va avoir un vendredi chargé, on va s'alléger le truc, voilà, ça me permet aussi moi de passer un bon moment, parce que je me mets vite la pression, hein, vous le savez, donc du coup, voilà. Donc aujourd'hui on va essayer de clencher un petit peu les courses, les trucs que je peux acheter à l'avance sans souci, style les trucs apéro, les boissons, voilà, les. On ira voir saucisse merguez, on ira voir à la boucherie pour les avoir, et puis voilà. Hier soir, en sortant, en parlant de boucherie en fait, hier soir, en voulant sortir la viande, en faisant les routines, en voulant sortir la viande du jour, je me suis aperçue que j'ai oublié d'aller chercher mon mouton. Alors le mouton, souvent je vais le chercher à la boucherie, boucherie orientale en fait, hein, au niveau prix, et voilà, c'est facile d'en trouver dans leur magasin. Donc du coup, j'avais dit, et souvent nos merguez aussi, on va les chercher là parce que ailleurs Greg ne les aime pas. Et j'avais dit, bon, on va y aller, et on n'a pas été. Mais j'ai l'impression, là, c'est les vacances et qu'on est tout le temps, en fait, on est bien pris en ce moment. Et en même temps, j'aime ça, hein. On profite, il fait beau, ça. Voilà, on a l'impression de revivre un tout petit peu et après cette période-là, voilà. Et du coup, j'ai tendance un petit peu... à laisser mon organisation un petit peu de côté, mais c'est pas grave, c'est cool aussi, c'est la vie. Oui, donc je sais pas, je pense que je vais changer complètement mon menu de ce soir. Logiquement, c'était un tagine en fait avec de l'agneau. Je le mettrai une autre fois, c'est pas grave. Comme on doit aller faire les courses, je vais me consacrer à l'anniversaire de Stacy. Je vais acheter un petit truc qui va vite, et puis voilà. En plus, il me reste des crêpes encore, parce que j'avais acheté deux paquets de crêpes au sarrasin là, et il me reste un paquet plein, donc. Peut-être faire ça demain. Et puis Greg mangera un petit truc sur le pouce. Enfin voilà. Hein? Cool. Mais vous, ça doit vous faire rire ma façon d'être en ce moment. Parce que c'est pas du tout moi quoi en fait. C'est pas du tout moi. Je suis très... Et là en ce moment, je sais pas. J'ai besoin de... Peut-être, voilà. La vieillesse qui fait que... Mais voilà. Et ça fait du bien aussi de temps en temps. Après oui, peut-être que la thérapie, enfin tout ça fait que voilà, je lâche prise sur certains trucs et c'est cool aussi quoi en fait. Après j'essaie tout le temps, vous voyez comme là au ménage et tout, j'essaie tout le temps de garder un rythme et tout au niveau des menus, je sais que ça m'aide et tout, mais même là-dessus hein, au niveau de l'alimentation et tout, j'ai tendance en ce moment enfin voilà, le cheminement se fait bien et c'est cool quoi en fait. J'ai passé une mauvaise période avec ça, hein, vous le savez, hein, je vous en ai parlé. Et là voilà, j'ai l'impression que tout se met en place et que ça... Je lâche la pression sur certains trucs et ça équilibre d'autres choses. Je faisais beaucoup de restrictions cognitives et tout, les aliments interdits, les trucs. Et quand j'ai lâché cette restriction, j'ai eu, enfin voilà, j'ai eu tendance à. Alors la psy me l'avait dit, hein, elle me l'avait même conseillé, elle m'avait dit, achetez vos interdits, mettez-les, voilà, ne les cachez pas, ne les voilà. Vous allez voir que vous allez avoir tendance à vous empiffrer, à vouloir en manger beaucoup. Et puis après, comme c'est là, et que vous savez que c'est là, ben le chemin va se faire et vous allez le manger, mais quand vraiment vous en aurez envie, plus de façon voilà. Et j'ai l'impression que ça se met bien en place. Là ça a été la saison de Pâques avec les chocolats et tout, et je me souviens qu'il y a 2 ans c'était compliqué parce que je m'interdisais d'en manger, mais du coup ben vous y pensez tout le temps et puis vous essayez de manger autre chose, mais c'est l'envie du chocolat que vous avez. Et là ben j'en ai mangé. Mais j'en ai pas mangé, vous voyez, voilà, j'en ai mangé 2-3 et puis je me suis fait plaisir et voilà, c'est passé à autre chose. La preuve en est, c'est qu'on a encore plein de petits chocolats qu'on avait achetés à Lidl et tout. Les plaquettes de chocolat, j'ai acheté des plaquettes de chocolat, je l'ai acheté, vous voyez, je vous les avais fait montrer. Hein. Et avant, ça aurait pas été possible, quoi, en fait, pour moi. J'avais acheté ben, ces plaquettes-là, les Lindt, ça fait au moins 4 semaines, je pense, qu'on les a. Et elles sont là. Celui-là, c'est pareil, il est à peine attamé, quoi, en fait. Hein. J'ai mangé, j'en ai mangé. Je dis pas que j'en ai pas mangé, mais voilà. En fait, je sais, il est là. Et la plaque est à peine attamée.
Le lean, c'est la même chose. Enfin voilà, donc du coup je suis contente. Enfin je veux pas dire que je suis fière de moi parce que c'est pas une fierté, hein, parce que j'ai, voilà, c'est juste je suis contente que j'ai l'impression que tout redevient normal quoi, en fait. Comme quoi que ne vous privez pas les filles. Voilà, c'est mauvais. Hein? N'écoutez pas les standards, voilà, n'écoutez pas l'industrie, c'est surtout ça en fait, hein. C'est ça, c'est l'industrie qui veut nous imposer des choses, non. Hein? Allez, bref, donc oui, en ce moment, et du coup je pense que tout ça, le fait que je me sens bien là, je me sens un peu mieux dans mon corps, et du coup voilà, ça commence à se mettre, alors je dis pas hein, que... dans mon corps, c'est pas... Voilà, hein, le reflet du miroir n'est jamais... Voilà, je revois évidemment, puisqu'en ce moment, vous êtes beaucoup à me refaire montrer les photos. Ah, quoi des photos d'avant, quoi, en fait. Et quand je vois ces photos-là, enfin, ces vidéos-là, vous êtes beaucoup à revisionner les anciennes vidéos. Et quand, ah, tu as changé, ou les enfants ont changé, ou quoi. Et il y a des moments, ben, j'y vais par curiosité. Et là, je me prends une claque, quoi, en fait. Parce que je me dis, waouh, mais en fait, compte... Parce que je me voyais pas comme ça à ce moment-là, quoi, en fait. Et je me dis, mais en fait, compte, si. Si, en fait, voilà, il y a un chemin qui a été parcouru, quoi, en fait. Voilà. Bref, hein. Alors, ça n'a rien à voir avec... Quand je dis je me voyais pas comme ça, ce qu'il y a c'est que à un moment ben j'avais beaucoup de kilos en moins quoi en fait. Hein, je les voyais pas ces kilos en moins quoi en fait. Je continuais à vouloir plus, à me restreindre de plus en plus, à me mettre de plus en plus d'interdits. Mais je ne voyais pas ce corps en fait. Je ne voyais pas ces os qui commençaient à apparaître. Je ne voyais pas ces joues qui commençaient à se creuser. Moi je veux me focaliser sur des choses que j'aurais pas pu vraiment changer. Quoi en fait, je me focalisais sur mes défauts, c'est ce que je vous disais cette semaine, on est beaucoup plus critique avec soi, et je voyais pas les petits signaux comme Greg qui me disait tu sais ouais tu commences vraiment à être voilà, parce que lui il s'inquiétait, mais ça je le voyais pas quoi en fait, voilà, on est fermé sur quelque chose et c'est maintenant, c'est pour ça que je vous dis le chemin est long et se fait, c'est maintenant quand je revois ces vidéos je me dis ah ben quand même en fait voilà, j'étais pas satisfaite de ce que j'étais, mais je me dis, mais oui, t'étais bien creusée. Même ma belle-mère, il y a un mois, elle dit, ah, bah, il va falloir changer votre photo, là, parce que là, t'étais vraiment t'étais trop maigre, quoi, en fait. Alors, j'ai jamais été très, très, très maigre. Hein. Ce qu'il y a, c'est que pour ma morphologie et pour... voilà, pour les gens qui me connaissent, voilà, ils voyaient, quoi, en fait, mais moi, je le voyais pas. Voilà. Bon allez, et tout ça pour un standard des normes, nous faire rentrer dans une case, il n'y a pas de raison, on est tous uniques, et c'est ça qui est chouette. Allez, je vais aller faire mon ménage, parce que je vous ai dit que je voulais clencher ça, et ça fait 10 minutes que je vous parle. Bien. J'ai fait les toilettes, je suis en train de finir la buanderie, et après je vais faire la salle de bain, et j'aurai clenché la zone, comme ça. En fait, ce que j'avais qui sortait de d'habitude, c'était détartrer la robinetterie, et puis trier la pharmacie, mais ça, ça a été vite. Et au niveau des toilettes, j'avais l'intérieur du lave-main, mon lustre et pareil détartrer le petit mitigeur là du lave-main. Voilà, donc je vais faire les sols là, de la buanderie, mes plaintes, et après j'attaque la salle de bain. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre les brosses à dents à désinfecter. Ouh, c'est fini. Ça y est, tout est fait. Alors j'ai pas filmé parce que je voulais... taper dedans. Non, voilà, tout est fini. Du coup, ben, j'ai envoyé un message au chéri de ma belle-sœur pour que, en lui disant que s'il y avait besoin de moi, j'étais là vendredi, vendredi après-midi. Demain matin, je vais consacrer, comme je vous ai dit. Alors après, il n'y aura pas énormément hein, de préparatifs pour Stacy. Mais voilà, à bien faire le point et tout. Si j'ai deux, trois petites courses de dernière minute, j'irai les faire. Et voilà, c'est cool. Bon allez, je vais faire cuire mes pâtes maintenant. On va manger, je vais vous montrer la texture de la baguette, je l'ai coupée. Alors, visuellement, il me manque mes griffes en fait. Vous voyez le pain qui craque comme ça. Mais au niveau du goût et de la texture, elle est top.
Hein? Cécile, elle m'a dit, elle a un goût de pizza avec les tomates séchées, les petites herbes que j'ai mis à l'intérieur. Et vous voyez cette mie là. Mmh. Allez, je vais goûter les pâtes, les égoutter, puis on va manger. Parce qu'après, cet après-midi, ça va être la course. En plus, Greg vient de recevoir un message. Enfin, j'ai reçu un message que j'ai transmis à Greg. Comme quoi que ses pneus étaient arrivés. Enfin, les pneus de ma voiture. Donc, du coup, à mon avis, il va vouloir y aller aujourd'hui ou demain. Mais moi, ça m'arrangerait plus aujourd'hui. Mais il va falloir qu'on essaye de mettre ça dans notre emploi du temps. Parce que demain, si j'ai besoin de la voiture ou quoi, ça risque d'être casse-pied. Donc on va voir, peut-être qu'il va me déposer, faire les courses, lui il ira, logiquement ils en ont pas pour longtemps, comme ça au moins c'est fait, puis après voilà, puis il reviendra me chercher après. On va voir, mais je pense qu'on va se débrouiller comme ça. On a bu son petit café, on y va, liste de courses, donc Greg va me déposer, il va aller voir s'il n'y a pas trop de monde pour changer les pneus, et puis pendant ça, moi je vais commencer. On a changé le menu, logiquement c'était barbecue comme je vous ai dit, et en fin de compte on s'est dit qu'on allait faire du poulet fumé avec le fumoir. C'est un moment que Greg voulait le faire goûter à ses parents, et en plus ça nous fera moins de travail, il y a juste à mettre le poulet en saumure et puis après de le fumer. Il n'y aura pas besoin de, voilà, Greg va pouvoir aussi profiter de sa soirée. C'est vrai que de faire cuire les saucisses et tout sur le barbecue, voilà, mais au moins il mettra dans le fumoir et puis il gérera la cuisson tout seul. Quoi? Oui, je sais que ça t'aurait pas dérangé. Bon, allez. Ah oui, par contre, c'est un truc qu'il va falloir aussi aller chercher. Une caisse, une bonbonne de gaz pour notre barbecue. Allez, on est rentré. Du coup, j'ai acheté des pastilles à Auchan. Elles sont en promo en ce moment, ça vaut le coup. Elles sont à 4€ des brouettes. J'ai racheté du produit pour l'aller par terre. J'ai pris un petit brie. Je me suis racheté nouveau... Alors je passe pas des bols en fait, hein. C'est plus des assiettes, ils sont trop beaux. Des bols de mamie comme Greg dit. Marley, je vais vous montrer du coup ce qu'on a pris. Donc j'ai pris de quoi faire un mojito, on a pris de la bière, de la Ruby, j'ai pris des boissons pour les enfants. Hop. Attention toi. Ah, tombe pas. Alors au niveau des cochonneries, alors j'ai pris ce qu'ils appellent un lingot. Alors en fait ça fait un gâteau comme ça, avec ça fait comme un cake peut-être, avec du chocolat blanc et des cacahuètes. Et l'autre c'est au caramel. Voilà, j'ai pris ça, je me suis dit coupé en tranches et puis ça me servira aussi pour mettre ces chiffres aussi dessus. J'ai pris des petits bâtonnets comme ça, je l'ai pris des... Je vais vous retourner. Des donuts, alors j'ai pas pris que ça, j'en ai pris au chocolat aussi, ils sont là-bas. J'ai pris ça, des mini beignets, des mini cookies, du café parce que j'en avais plus, des tucs pour apéro. On a pris du pestis du Val, du coca, du jus d'orange. Attends, Marley, hop, ça c'est les trucs pour l'apéro aussi. Hop, attendez. J'avais repris des... En fait, j'ai pris deux paquets de chaque et j'ai pris des au chocolat aussi. J'ai pris des petits hérissons caramel et d'imauve. Alors ça, c'est pour ma belle-mère. C'est les petites souris, je ne sais pas si vous connaissez ça. Enfin, si vous avez plus l'âge de mes beaux-parents, à mon avis. C'est du caramel qui est à l'intérieur. C'est des petites souris enrobées de chocolat. C'était leur bonbon. J'ai pris les dragées blues, c'est mon préféré de ceci. Des petits tapis comme ça. Des langues. Ça, c'est mes bonbons préférés, les schtroumpfs. Après, ben voilà, j'ai pris des chips, des tortillas, des cacahuètes. Là, c'est quoi ça? Ah, des fils aussi que j'ai pris. Des fromage et du saucisson, voilà. Il me restera plus que au niveau achat, parce qu'on a pris aussi des poulets. Que Greg n'a pas descendu, mais voilà, on a pris aussi des poulets parce qu'on va faire des, on va même s'en occuper tout de suite après, on va faire la saumure, on va faire des poulets fumés du coup, on a changé d'avis. Je vais faire ça avec salade de tomates, salade verte et puis des petites pommes de terre, comme on vous a dit, voilà, ça sera mieux. Il y aura personne qui sera au fourneau comme ça. Ah mince, je peux pas vous montrer le cadeau de ma belle-sœur, ils ont mis un petit collant. Je voulais vous le montrer. Je peux pas l'arracher. En fait, on a pris un... ça fait comme les bracelets, mais vous voyez les manchons là, avec ça fait plusieurs bracelets l'un à côté de l'autre et que ça fait une...
un poignet complet. Enfin, je sais pas si vous voyez. Donc, on a pris ça. On a été chercher aussi le casque pour Stacy. Et voilà. Et j'ai pris aussi à manger pour ce soir. En fait, je vais faire des steaks. J'ai acheté un... Parce que Greg voulait... je voulais faire des pâtes ou un truc comme ça. Mais comment on a mangé des pâtes ce midi? Il m'a dit, bah, je vais prendre du blé pour changer. Donc, on va faire du blé. Mais je sais qu'il aime pas parce qu'il est sec quand il mange comme ça. Donc, je vais juste faire une petite sauce tomate avec. Et je vais me faire des petits légumes pour aller avec. Voilà. Ça va être repas sur le pouce. Et demain midi, on va manger le reste de galettes au blé noir qui restait. Allez, faut ranger tout ça maintenant. Et pour la petite blagounette pour ma belle-sœur, en fait, à chaque fois qu'on y va, quand c'est un anniversaire ou quoi, à chaque fois, elle a pas cette petite cuillère à café pour manger les gâteaux et tout. Il y a des moments où on est obligé de manger avec des fourchettes. Donc du coup, on lui a acheté des petites cuillères. Et ça va être le premier cadeau qu'on va offrir. Et voilà. Tiens, il y a ça à manger. Quand je suis gentille. Alors, pour celles que ça intéresse, là, on est en train de faire le poulet, la marinade pour le poulet. Non, la saumure en fait, pour le poulet. Alors, nous, on fait une saumure liquide parce que c'est celle avec laquelle on obtient le meilleur résultat. Et on trouve que par rapport à une saumure sèche, on est sûr que le sel a intégré bien correctement l'intérieur des chairs de la viande. Et on utilise moins de sel. Parce que quand on fait un salage à froid, en fait, enfin à sec, on doit recouvrir la viande de sel, on doit vraiment en mettre beaucoup, alors que là la saumure est gorgée de sel quoi, en fait, et ça rentre à l'intérieur de la chair, et voilà, on en utilise du coup beaucoup moins. Alors, pour celles qui ont un fumoir, je sais que vous êtes quelques-unes à en avoir un, notez les ingrédients. Pour la saumure liquide, il faut, pour 1 litre d'eau, alors mesurez la quantité d'eau qu'il vous faut, parce qu'il faut attendre qu'elle refroidisse avant de la verser sur les poulets. Donc si vous vous tombez à court ou vous n'en avez pas fait assez, vous allez devoir en refaire, attendre qu'elle refroidisse, etc. Donc ça risque d'être compliqué. Donc mettez vos poulets dans le récipient, vous comptez, vous mesurez avec un pichet. Là on vient de mesurer, il nous faut 8 litres d'eau, on va faire saumurer 6 poulets nous. Donc du coup, il faut pour 1 litre d'eau, 2 branches de thym, une feuille de laurier, 2 clous de girofle, 5 baies de genièvre et une cuillère à soupe d'oignons séchés et 120 g de sel. Alors les oignons séchés, on utilise celui-là. On l'achète au grossiste en fait. Alors pourquoi de l'oignon séché et pas de l'oignon frais? Parce que l'oignon va se réhydrater et s'infuser en fait dans l'eau. Pour vous expliquer, c'est une infusion en fait qu'on fait avec les herbes et tout. Vous voyez, c'est comme si vous prenez des champignons séchés, que vous les faites réhydrater dans de l'eau chaude. L'eau va prendre le goût du champignon. Vous prenez des champignons frais que vous mettez dans de l'eau chaude, l'eau va rester un goût d'eau quoi en fait. Voilà, c'est comme des fleurs, mettons, ou du thé que vous allez mettre dans de l'eau chaude et des feuilles fraîches, ça n'a pas la même saveur en fait, ça sera plus corsé avec de l'oignon déshydraté. Hop. Donc du coup, vous faites chauffer votre litre d'eau. Une fois qu'il est en ébullition, vous éteignez le feu, vous mettez tout ce qui est herbe. Donc le laurier, baie de genièvre, le thym, les clous de girofle et l'oignon. Vous laissez infuser avec un couvercle pendant 30 minutes. Au bout de ces 30 minutes, vous ajoutez les 120 g de sel et vous venez mélanger un petit peu pour faire dissoudre le sel et vous laisser refroidir. Et ensuite, vous venez recouvrir vos poulets. Alors, il faut vraiment que vos poulets soient bien en immersion, complètement dans votre saumure. N'hésitez pas, s'il faut, à mettre une assiette avec un poids ou quelque chose pour bien qu'ils soient en immersion à l'intérieur. Et ces poulets, il faut les laisser pendant 2 ou 3 jours. 2 jours, ça va, voire 3 si vous avez moins de temps, enfin plus de temps, dans cette saumure. Voilà. Et une fois ces 2-3 jours, il va falloir les rincer, les faire sécher et les fumer. Mais ça, on vous expliquera tout ça samedi. Voilà, Greg est en train de mesurer le sel. Mais comme je vous dis, quand on fait un salage à froid, à sec, il faut vraiment recouvrir le poulet de sel, quoi, en fait. Un peu comme quand vous faites une croûte de sel, vous voyez. Donc vous utilisez vraiment, comme là par exemple, pour 6 poulets. Là, Greg a utilisé pas tout à fait 1 kg de sel. 960 g pour être précis. Là, il y en aurait fallu des quantités voilà, pour les 6 poulets. La saumure est faite, on est en train de faire cuire du coup le repas de ce soir. Donc du blé, steak avec une sauce tomate. Alors j'ai pris un coulis de tomate. J'ai rajouté des oignons séchés, des épices italiennes,
un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, pas nickel. Par contre, je vais baisser le feu parce que ça va un peu fort. Et puis, j'ai fait cuire un petit mélange de légumes qu'on achète à Lidl en Belgique. C'est. Il y a quoi? Des carottes, des choux de. Choux-fleurs et des brocolis. Alors ça aussi c'est pratique, comme là bah, du coup ce que j'ai fait c'est que je le mets dans un bol avec une opercule plastique qui va au micro-ondes et je mets au micro-ondes et ça cuit à la vapeur en fait au micro-ondes. On va manger du coup. Alors le steak avec la sauce tomate, le blé et les légumes. Je sais pas si vous avez vu, mais à Auchan en ce moment ils font les Pyrex. Je pense que ça vient juste de commencer parce que la dernière fois je les avais pas vus. Alors j'ai vu, il y en a certains, ça vaut pas forcément le coup. En fait, je sais que ma belle-mère adore utiliser les plats à tarte et tout, même les plats, les moules à cake et tout en Pyrex. Mais moi j'ai vu, il y avait le bol mélangeur qui me donnait bien envie et la cocotte ronde aussi. Je me suis dit que ça pourrait être bien. Même si quand je fais un deuxième pain ou quoi, voilà, à tester quoi en fait. Mais bon, même quand je fais des petits plats au four ou quoi, ou même au micro-ondes, comme ça passe au micro-ondes. Bon allez, ça sent fort là. On a mis les petites herbes là. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi? Et ça sent fort le clou de girofle et tout. On a fini de manger, on a laissé la saumure refroidir, là on vient de la verser sur les poulets, donc du coup en fait on fait bien baigner, vous voyez les poulets comme ça, nous on les met dans des bacs en plastique, c'est des bacs alimentaires, voilà on en a mis 3 et pour faire tenir les poulets bien à l'intérieur, on met des assiettes comme ça à l'envers, comme ça le poids fait que le poulet reste bien en immersion en fait à l'intérieur. Voilà. Donc là ils vont rester comme ça jusque samedi. Samedi on va les dessaler, les laisser sécher et on les fumera. Mmh. Bon allez, on va essayer de trouver de la place dans le frigo pour mettre ça. Et puis on va aller prendre une petite douche. J'ai un peu froid et Greg aussi là. Je pense que c'est un petit peu la fatigue peut-être ou le soir. Ça rafraîchit. Allez, fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain.